Bonsoir à tous et encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en direct. Tout de suite, les titres. Face à la multiplication des accidents mortels, mettant en cause des véhicules poids lourds et des deux roues, le syndicat des camionneurs a sollicité la réforme par la justice de la loi qui prévoit systématiquement l'arrestation des camionneurs impliqués dans ces accidents routiers. En effet, les circonstances et les causes de chaque accident sont différentes. Des inspecteurs du ministère de l'Industrialisation et du Commerce ont découvert, lors d'une inspection de routine, qu'un commerce situé au marché d'Anous Bey appliquait une hausse abusive au prix du riz provenant de la société d'État SPM, State Procurement of Madagascar. En effet, le commerçant vendait le riz de la SPM au même prix que celui des variétés importées. 300 millions de jeunes arbres seront plantés sur une surface totale de 75 000 hectares dans toute la grande île dans le cadre de la campagne de reboisement 2024. Reboisement peut bâtir l'environnement, améliorer la production et laisser un héritage pour les générations futures. Tel est le thème adopté pour cette année. Pour terminer en Russie, aucun passager n'a survécu au crash mercredi d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine selon le gouverneur local, alors que l'appareil transportait 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens. Face à la multiplication des accidents mortels mettant en cause des véhicules poids lourds et des deux roues, le syndicat des camionneurs a sollicité la réforme par la justice de la loi qui stipule l'arrestation systématique des conducteurs impliqués dans ces accidents routiers. Les circonstances et les causes de chaque accident sont pourtant différentes. Parfois, ce sont les deux roues qui sont à l'origine de ces accidents, soit à cause d'un excès de vitesse volontaire pouvant être considéré comme une véritable tentative de suicide, soit à cause de l'imprudence des conducteurs. D'après le syndicat des camionneurs de Madagascar, les circonstances de chaque accident doivent être déterminées de façon claire avant de condamner systématiquement les chauffeurs de camions. Selon toujours le président du syndicat des camionneurs de Madagascar, propos recueillis par Elisa Herman. Les camionneurs sont sortis de leur silence face à la multiplication des accidents corporels ou mortels impliquant des poids lourds et des deux roues. Dans la plupart des cas, les excès de vitesse volontaires, assimilables à des tentatives de suicide, et le manque de prudence de la part des motards sont les principales causes des accidents. Les camionneurs sont toujours considérés présumés fautifs durant les enquêtes, surtout s'il y a mort d'homme. Le syndicat des camionneurs demande à ce que la loi qui préconise de manière systématique une mise en garde à vue des conducteurs de camions impliqués dans des accidents mortels soit réexaminée. Chaque accident a ses circonstances particulières, le conducteur de camion n'étant pas forcément fautif. Les causes de l'accident devraient notamment être établies de manière claire avant que ne soit arrêté le conducteur de camion, d'après les explications. L'accident qui avait eu lieu sur la rocade de Tsarasoch à Antananarivo, ayant coûté la vie à un jeune homme conducteur de deux roues de 17 ans participant à une course sauvage, illustre parfaitement cette situation, selon le syndicat des camionneurs. Il est à noter que les conducteurs de camions ne jouissent pas d'une vue complète de tous les angles de leur véhicule. Une autre véhicule qui passe par les angles dits « morts » demeure complètement invisible aux yeux du camionneur. Une situation souvent à l'origine de nombreux accidents, d'après toujours les explications, le syndicat des camionneurs.
demande à ce que la loi qui prévoit l'arrestation systématique des camionneurs impliqués dans des accidents mortels soit révisée, d'après le président de ce syndicat des camionneurs de Madagascar, qui a également fourni de plus humbles explications aux journalistes au cours d'une interview téléphonique. Les inspecteurs du ministère de l'Industrialisation et du Commerce ont découvert lors d'une inspection de routine qu'un commerce situé au marché d'Anousbé appliquait une hausse abusive au prix du riz provenant de la société d'État SPM, State Procurement of Madagascar. En effet, le commerçant vendait le riz de la SPM au même prix que celui des variétés importées. En outre, il n'a pas indiqué par voie d'affichage qu'il était un revendeur du riz provenant de la SPM, a indiqué le directeur du commerce intérieur au sein du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a immédiatement pris des mesures en convoquant notamment le commerçant coupable de malversation dans les locaux du dit ministère. Reportage de Gracia Angie Citoyen sur les images d'Ivasat. Un commerce d'Anousbé a appliqué un prix excessif du riz revendu fourni par la société d'État SPM, State Procurement of Madagascar. C'est ce qu'ont découvert les inspecteurs du ministère de l'Industrialisation et du commerce lors d'une inspection de routine auprès des commerçants de la capitale. Ce marchand vend le riz provenant de la SPM au même prix que celui des variétés importées, soit 2700 ariary le kilo, ce qui n'est pas normal. Le directeur du commerce intérieur au sein du ministère de l'Industrialisation et du commerce a expliqué que le prix du riz acheté auprès de SPM appliqué par le vendeur était abusif et que les commerçants ne devraient pas profiter de la conjoncture économique actuelle pour se faire de l'argent sur le dos des consommateurs déjà accablés par l'inflation généralisée qui prévaut dans le pays. De plus, le commerçant est également coupable de n'avoir pas affiché qu'il vendait du riz de SPM. Ce dernier a été convoqué au bureau du ministère en Bouda aujourd'hui mercredi 24 janvier, muni de toutes les factures et documents commerciaux en sa possession. Pour le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, le contrôle des prix des marchandises fait partie des activités de routine du ministère, qui devront porter leurs fruits dans un délai de 100 jours. Avant de se rendre au marché d'Anousbé, les inspecteurs ont visité quelques entrepôts à Anousat et ont constaté que le riz disponible était largement suffisant pour répondre aux besoins de la population en cette période de soudure. Autre sujet, 300 millions de jeunes arbres seront plantés sur une surface totale de 75 000 hectares dans toute la grande île dans le cadre de la campagne de reboisement 2024. Reboisement, rebâtir l'environnement, améliorer la production et laisser un héritage pour les générations futures. Tel est le thème adopté pour cette année. Pour atteindre ces objectifs, chacun peut demander gratuitement les jeunes plants auprès des pépinières géantes, des directions régionales ainsi qu'auprès des pépinières des districts sous condition de faire une déclaration de garantie pour assurer le suivi des arbres plantés. La campagne de reboisement 2024 sera lancée officiellement par le président de la République, Andry Duel, ce vendredi 26 janvier dans le site de la nouvelle ville de Tanamasouadj à Imersiatouskarissi de Nzakanjimayesi. Parmi les 300 millions de jeunes arbres prévus être plantés durant la campagne de reboisement 2024, figurent des plants d'arbres de terre ferme et des plants d'arbres de mangrove. Afin d'atteindre cet objectif, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié le projet Reboisement de proximité qui consiste à décentraliser les pépinières vers les 119 districts, les cantons du ministère de l'Environnement et du Développement durable et les populations locales bénéficiaires ou VOI. Selon les explications de Razaf Njabirine, directeur général de la gouvernance environnementale auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, chaque citoyen sans distinction peut obtenir gratuitement des jeunes plants auprès de ses pépinières. Toutefois, il est nécessaire d'adresser une demande écrite auprès des directions régionales du ministère avec des garanties écrites de suivi de la plantation jusqu'à la pleine croissance des arbres plantés. Les techniciens auprès des régions se réservent aussi
le droit de vérifier la bonne préparation des terrains à cultiver pour permettre aux jeunes plants de survivre. Il en est de même de la bonne préparation du sol, des trous qui répondent aux normes ainsi que des mesures de protection des jeunes plants une fois qu'ils auront été plantés. De son côté, Lovanerie Navolunienne, directeur régional du ministère de l'Environnement et du Développement Durable de la région d'Alamang, a précisé que les jeunes plants disponibles auprès des deux pépinières géantes de la région d'Analamang ont déjà été préparés, et cela afin de s'assurer de l'effectivité optimale de la pépinière de proximité. À part les pépinières géantes auprès des directions régionales, des pépinières auprès des 119 districts, des cantons et des populations locales bénéficiaires sont déjà fin prêtes pour la campagne de reboisement 2024. Le thème choisi pour la campagne de reboisement de cette année est « Reboisement, rebâtir l'environnement, améliorer la production et laisser un héritage pour les générations futures ». Pour cette année, la campagne de reboisement 2024 sera lancée officiellement par le président de la République Andry Duaïla ce vendredi 26 janvier dans le site de la nouvelle ville de Tanamasou Andry Emir Tietousk. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, l'ouverture de la campagne de reboisement pour cette année se distingue de celle des autres années étant donné qu'elle aura lieu en ville et non en rase campagne, et cela afin que tous les territoires participent au verdissement des espaces et aussi afin de participer à l'embellissement de la ville. Et puis la culture de nouvelles variétés de sorgho, d'arachide et de mil fera l'objet d'une promotion dans 6 régions de Madagascar afin de mieux lutter contre la malnutrition. Selon le rapport du FOFIFA au Centre national de recherche appliquée au développement rural, ces nouvelles semences sont mieux adaptées au changement climatique auquel le pays ne peut échapper et sont plus résistantes aux maladies par rapport aux variétés ordinaires. Explication recueillie par Antjaralarasu et Omeka. Le FOFIFA, ou Centre de recherche appliquée au développement rural, a découvert qu'une quinzaine de variétés de sorgho, 13 variétés d'arachide et plusieurs variétés de mil étaient très bien adaptées au climat et aux différents types de sols de Madagascar, surtout avec les influences du changement climatique. Ces nouvelles semences très efficaces en matière de lutte contre la malnutrition pourront être plantées dans les régions suivant les caractères de leur sol et selon leur climat respectif. Et nous sommes résolus à explorer les diverses variétés de sorgho, de mil et d'arachide en mettant l'accent sur la résilience au climat, la productivité, mais également et surtout la qualité nutritionnelle. Ces efforts, mesdames et messieurs, démontrent notre engagement concret à identifier des variétés les plus prometteuses pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. La réalisation du programme APEMBA permettra également l'instauration de la sécurité alimentaire sur tout le territoire du pays. Nous sommes déterminés à développer des pratiques qui minimisent les pertes après la récolte, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources et contribuant à la sécurité alimentaire. Appuyé par l'USAID des États-Unis, la mise en œuvre de ce programme ainsi que la promotion de la culture du sorgho, de l'arachide et du mil s'étaleront sur 2 ans. Et dans le reste des actualités, les travaux de construction de la maison des infirmiers à l'INSPC, Institut national de santé publique et communautaire, à Bafélatan, en ont commencé ce 24 janvier 2024. Cette maison des infirmiers de Madagascar est prévue être inaugurée le 12 mai 2024. Le bâtiment abritera non seulement les bureaux de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar, mais aussi une grande salle de réunion et une salle pour accueillir les infirmiers des provinces de passage à Antananarivo, les membres de l'Ordre des infirmiers, comme les présidents d'hôpitaux régionaux et les représentants régionaux de l'Association des infirmiers de Madagascar, sont venus assister au début des travaux de construction de la maison des infirmiers. Reportage sur les images de Arfit Yakutmanan. Dans la démarche de réhabilitation du corps des infirmiers enclenchée avec l'élection des membres de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, au bout d'une dizaine d'années sans suffrage, la construction du bâtiment de soins est une première dans l'histoire de Madagascar et s'inscrit sur cette lancée.
Les travaux de construction de ce bâtiment consacré aux infirmiers malagasy, érigé à l'INSPC Béfélatanan, ont débuté le 24 janvier 2024 et dureront 4 mois. L'une des principales solutions apportées par la construction de ladite maison est de fournir aux infirmiers des provinces en déplacement dans la capitale une salle d'hébergement, résolvant ainsi leurs difficultés en la matière. La maison des infirmiers va ainsi abriter le bureau de l'ONIM, Ordre national des infirmiers de Madagascar, une grande salle de réunion, le gîte d'étape des infirmiers de passage à Antananarivo. D'après les précisions, la maison des infirmiers sera inaugurée le 12 mai 2024. Plusieurs entités du corps des infirmiers, dont les membres du Bureau national de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, les présidents d'hôpitaux des régions comme les représentants régionaux de l'Association nationale des infirmiers ou ANIM, étaient présents à l'officialisation du démarche des travaux de construction du bâtiment de soins ou maison des infirmiers. Et maintenant, place aux actualités internationales. Dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, aucun passager n'a survécu au crash mercredi d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur local, alors que l'appareil transportait 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens. Et si on ignore la cause du crash, le président de la Douma, le Parlement russe, accuse pour sa part, Kiev, d'avoir abattu l'appareil. Reportage de France 24. Passé dans cette région au moment de ce crash. Alors, ce sont uniquement les Russes pour le moment qui disent qu'il y avait ces 63 prisonniers de guerre ukrainiens à bord de cet avion. Les Ukrainiens n'ont pas confirmé cette information. Il n'y a aucune réaction officielle en Ukraine pour le moment, mais une source militaire citée dans les médias ukrainiens dit qu'il n'y avait pas de prisonniers de guerre à bord, mais bien des composants pour les systèmes de roquettes S-300 qui sont utilisés très souvent pour frapper la région de Kharkiv. Et cette source disait qu'effectivement, ce sont les Ukrainiens qui ont abattu cet avion. Mais je répète, cela n'a pas été confirmé officiellement. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que l'avion est tombé et il y a les informations venant uniquement pour le moment du côté russe, comme quoi il y aurait eu ces prisonniers de guerre à bord. Dans les médias russes, il y a aussi des informations comme quoi il y aurait eu un deuxième avion qui a fait demi-tour pour éviter d'être abattu lui aussi transportant des prisonniers de bord. Mais encore une fois, on ne peut pas le confirmer. Là, les Russes envoient des accusations dans leurs médias extrêmement sévères contre les Ukrainiens, les accusant d'avoir fait exprès de tuer leurs propres prisonniers de guerre. À l'instant, c'est le président de la Douma en personne, hein, le Parlement russe, qui accuse Kiev d'avoir abattu l'avion en question. Il parle d'un avion de prisonniers ukrainiens, donc il reste sur cette Tesla, vous y faisiez référence, Gulliver. C'est vrai que ces derniers temps, la Russie a tendance à pointer du doigt l'Ukraine. Mais je vous rappelle que la Russie a aussi accusé l'Ukraine d'être gouvernée par des nazis et toutes sortes d'autres accusations qui ne sont évidemment pas du tout vraies. Je ne pense pas qu'on puisse considérer les sources russes comme fiables. Tout cela étant dit, il est évidemment possible que les Ukrainiens aient fait une terrible erreur en pensant que cet avion transportait des pièces pour les systèmes de roquettes S-300. L'Ukraine tente effectivement d'éliminer ces systèmes de roquettes sur le territoire russe en exécutant des frappes et en tentant d'abattre des avions russes. Je pense qu'on doit attendre un peu plus de temps pour voir quelle sera la réaction officielle ukrainienne. L'armée de l'air doit faire une déclaration, je pense, dans les heures qui viennent. En finale de cette édition, et l'information continue sur TV Plus Madagascar à 19h30 dans le journal en version malagasy, toujours en direct. À tout de suite.